de toi, Seigneur. En qualité de ta servante. Le diable n'est pas content, Seigneur. Le pouvoir, le mandat qui m'a été donné à ton nom, Seigneur, tu as dit, je chasse le démon, je marche avec si les scorpions, si les serpents, si la puissance du tonnerre. Dieu n'est pas béni. Voilà pourquoi je me lève contre toi, Lucifer, diable, menteur. Je me lève contre toi, esprit de découragement. Alléluia. C'est pourquoi
Yeah, no, fair.
permis que nous soyons là aujourd'hui, pour que nous soyons restaurés, éduqués, armés, pour être des boules de feu dans le camp des ennemis. Et voilà, alors, Seigneur, grâce, en ma grâce, à ta épée, maîtresse d'un grand homme, un président d'Afrique, elle a réellement pratiqué la rose en Afrique. Aujourd'hui, le Seigneur lui a donné l'opportunité de le servir et pour verser le royaume de Satan. Et donc, je vais l'inviter sans trop de confiance. Je vais l'inviter sur cette chair et elle va vous éduquer par ce témoignage. C'est qu'elle a rendu sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les mots me manquent. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis impressionnée. Avant toute chose, je voudrais prier. Dans la salle, il y a une femme. Ils sont deux. La femme là, quand je présente comme ça, elle connaît. Elle peut venir. Une veuve. Je vais parler un mot. Sans oublier, maman, vous pouvez venir. Viens, maman. Venez. Montez ici. Vous allez monter ici. Ne soyez pas surpris. Bien-aimé, c'est un grand secret. J'ai toujours dit à mon Dieu, depuis que je suis là, à l'église, protestant, baptiste, œuvre, mission, j'ai toujours dit, Seigneur, toutes les femmes, la jeunesse, les hommes, qui aura quelque chose de ta part, n'oublie pas cette femme-là. J'ai toujours prier nuit et jour. Si je suis là aujourd'hui, bien-aimé, dans ce ministère, si je suis là encore aujourd'hui, les femmes, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée que de femmes, tous qui ont foulé leurs pieds dans ces lieux, n'oubliez pas, c'est une journée de la référence dans votre vie. Et vous allez comprendre ça après. C'est à cause de qui? Il y a une femme qui a provoqué ça. Une femme qui est venue m'écouter. Il dit, maman, tu ne vas pas rentrer comme ça. Le Seigneur vous a envoyé. Surtout, elle a répété dans sa bouche, surtout pour nous les femmes. Ce que moi j'ai entendu là, maman, je voudrais aussi mes sœurs et frères, dans l'origine, là où moi je suis sortie, qu'ils puissent aussi gagner, qu'ils puissent aussi être béni et visité par Dieu. Parce que moi, les trois jours là que je vous ai suivi, maman, je suis visité. Ce que le Seigneur là m'a donné, je veux aussi que toutes mes sœurs, surtout femmes, puissent bénéficier. La femme là, je vous la présente, elle est là. C'est elle là. Bien-aimée, ma sœur, je voudrais rentrer. Mais elle est venue voir ses pères spirituels ici. Il dit, papa, je connais les ministères là. Il y a une femme que le Seigneur a envoyée. Pour nous, surtout nous les mamans ivoiriennes, je vais prophétiser un mot pour elle. Et la femme là, c'est une femme veuve. Elle dit, maman, c'est moi. Je voudrais que ça soit en cachette. Je voudrais t'habiller, tenir de chez moi les jours là. Et me voici. Veuve, je suis très touchée, bien-aimée. Voilà ce que je suis là, c'est elle. Alors, bien-aimée, je voudrais aussi prier pour toutes les mamans ivoiriennes, même les mamans qui ne sont pas ici. Aujourd'hui, c'est le 29 mars, journée mondiale de la femme.
Les mondes ont reconnu les femmes dans le mois de mars. Mais regarde ce qui est vraiment révélation cachée. Que Dieu bénisse tes serviteurs. Que Dieu bénisse ce ministère. Que le Seigneur bénisse notre papa, le docteur John. Qu'il soit béni. Aujourd'hui, c'est le 29 mars, journée mondiale. Mais regarde, nous, les femmes. Les femmes, pour la gloire de l'Éternel, le Seigneur a préparé son projet. C'est lui qui a planifié qu'on puisse, bien aimé, cette année 2014, comme je disais, la Côte d'Ivoire, les mamans, les Ivoiriens, le Seigneur vous a visité pour mettre fin dans les camps des sorciers. Voilà pourquoi je ne mérite pas cet honneur, bien-aimé. La fleur, c'est un signe de bonheur. C'est vous qui avez offert ça à votre Dieu. Je déclare que toutes les femmes qui sont dans la salle, dans ce lieu, les femmes, tous que vous êtes là, que le bonheur et la joie et la restauration intégrale puissent vous recevoir dans le nom tout puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu tout puissant, l'homme de Galilée, Père, qui suis-je moi, Seigneur? Voilà. Tes enfants sont là. Ta parole a dit, le couple de la première et de la deuxième n'est pas la même. Voilà tes enfants, Seigneur, qui suis-je? Ce n'est pas moi. Cette femme qui a prophétisé dans sa bouche, je voudrais que toutes les femmes ivoiriennes puissent avoir la connaissance sur la destruction du diable, qui soit bénie. Toutes les femmes qui seront bénies, Père des rois, qui vont avoir un plus pour ta gloire, passe à cette femme. Seigneur, tu ouvres les portes. Seigneur, que tu le supprimes dans tous ses besoins. Seigneur Jésus, un jour, Père de gloire, si tu me donnes longue vie, quand je viendrai dans ce pays, je voudrais que cette femme puisse prendre le micro pour témoigner Jésus-Christ, Seigneur. Le Dieu des veuves, le Dieu des orphelins, ta fille a pensé et dit, maman, je voudrais que ce jour-là, papa, c'est toi. C'est toi le mari de veuve. C'est toi le père des orphelins. Seigneur, tu connais cette femme. Des chocs qu'elle a eu dans sa vie. Mais elle n'a pas abandonné ta gloire. Elle n'a pas abandonné ton nom. Elle n'a pas abandonné de venir dans tes pieds comme refuse. Père, elle te soutient. Elle tape sa poitrine et lui dit que je suis la femme de l'Éternel. Je vais soutenir Dieu. Qui juge-moi, papa, je ne mérite pas. C'est toi qui mérites. Ouvre les portes. Si prends cette femme, Père de gloire. Fais quelque chose si naturel de ta part dans sa vie. Qu'il puisse voir que Jésus-Christ est Seigneur. Papa, je prie avec assurance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, avant que je prie, nous allons danser. La chanson là, c'est Alingala. Mais, vous allez comprendre, nous tous, moi et vous, et mes enfants qui sont là, tous ils vont chanter avec moi. Moi, je connais notre... Oui, c'est mon fils qui est là, il est professionnel, il va nous accompagner. Cela veut dire, femmes ivoiriennes ont vaincu. La femme ivoirienne a vaincu surtout nous les femmes qui ont cherché refuge auprès de Dieu. Pendant ces jours-là, nous avons la victoire. Tu vas danser, maman, tu dois prophétiser que j'ai la victoire. Alléluia! Alléluia! Ba mama eh, to gagne tumba, to longe tumba. Voilà. Ba mama eh, to longe tumba. Eh, to longe tumba. Ba mama eh, to longe tumba. Eh, to longe tumba. Ba mama eh, to longe tumba. Eh, to longe tumba. Ba mama eh.
Danse bien, que vous êtes vainqueur. Allez, on y va. Bah, bah, bah.